les gars, c'est Daniel ici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes en train de marcher au stade de Genève pour la rencontre de Servette FC et les Luganois. Ce match aujourd'hui est un match très intéressant puisqu'il y a un peu plus d'une semaine, il y avait le même match, la même rencontre ici à Genève, au stade de Genève, dans les demi-finales de la Coupe de Suisse, où le match finit 2-2 et va en temps additionnel et plus tard au pénalty, où les Luganais gagnent 5-4 au pénalty. Je vous vois au stade en quelques instants. Nous sommes en train d'entrer au stade. Je vais maintenant scanner les billets. Exactement où? Nous sommes en train d'entrer au stade ici. Et ouais. C'est bien. Merci. Nous sommes ici dans le stade au secteur P. Nous sommes en train de marcher à la secteur P avec un petit magasin juste en face. Waouh! Seven? I think. Or two or three. What number are you? I am three. Je suis arrivé le premier au stade de Genève. Nous avons des joueurs déjà sur le terrain. Cône déjà prêt. Nous sommes le premier dans le stade. Dès que les portes sont ouvertes, il n'y a même pas le score sur le tableau là-haut. C'est assez fou. Des bons M&M pour le match. Salut les gars, nous vient d'avoir les compositions de départ pour le Servette FC. Frico Gaulle, Kevin Mbabou, Steve Rouillet, Servin, Anthony Baron, Gaël Clichy, Stefanovic, Fluquet, Timothée Cognat, Chris Bedia et Enzo Crivelli. Et pour l'équipe des Luganois, le match commence en 1h10. Préparez-vous pour un match qui sera extraordinaire. Et allez, nous avons les gardiens de Servette qui vient de sortir pour leur petit entraînement 58 minutes avant le match. Allez Servette. 45 minutes avant le match, les gardiens de Lugano entrent dans le terrain. Il y a de plus en plus de personnes ici au stade de Genève. 45 minutes avant le match, quelques instants, nous verrons les joueurs du Servette FC qui entrera pour leur échauffement d'avant-match. Une demi-heure avant le match.
Mi-temps ici au stade de Genève entre le Servette FC et le FC Lugano. Ici à la mi-temps, c'est toujours 0-0 et c'était une pas très bonne mi-temps pour les Servettiens qui jouent pas du tout bien avec les Luganois, avec beaucoup de tirs, mais pas beaucoup de tirs cadrés. Les Servettes avaient beaucoup d'opportunités, mais en résultat de rien. Je vous vois à la fin du prochain, à la fin du match, ou s'il y a un but pour Servette ou les Luganois. Allez Servette. Kevin Mbabou, vraiment sympa. C'est Kevin Mbabou. Ah. Mbabou. Fin du match ici au stade de Genève entre Servette FC et FC Lugano. 0-0, match pas très satisfaisant. On aurait pu faire beaucoup mieux, mais pas du tout d'effort des deux équipes. Match très très ennuyant. Il n'y avait à peu près rien à faire. Et bah. À mercredi 26 avril. Pour Servette contre FC Zurich. Au revoir et merci.